Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. D'après les informations de la presse espagnole, Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin au PSG, serait sur le point de signer pour le Real Madrid. L'affaire serait bouclée entre les deux parties. C'est la guerre des scoops entre la France et l'Espagne concernant l'avenir d'Mbappé. Entre le PSG et le Real Madrid, l'attaquant de 23 ans aurait tranché. Si Foot Mercato et RMC Sport ont soutenu au cœur hier que rien n'était encore signé entre le Real Madrid et le représentant du buteur parisien Mbappé, les médias madrilènes continuent d'affirmer que tout est d'ores et déjà acté en coulisses et entre les deux parties. Malgré le pressing de la mère d'Mbappé et les offres mirobolantes du Qatar, l'ancien avant-centre de l'AS Monaco, Kylian Mbappé, a pris la révolution de ne pas paraffer à notre engagement avec le club parisien. En fin de contrat, le 30 juin 2022, l'ancien de Bondy s'apprête donc à quitter gratuitement le PSG afin d'entamer une nouvelle ère de sa carrière sous les couleurs du Real Madrid. Une tendance confirmée par un ancien joueur et dirigeant de la Maison Blanche. En effet, dans des propos accordés à la Cadena Ser, un journal espagnol, l'ancien milieu de terrain Yugalce des Merengues, Predrag Mijatovic, a assuré que Florentino Pérez a finalisé la prochaine arrivée d'Mbappé à Bernabéu selon ses informations. En tout cas les gars, l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid s'achève de plus en plus. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'Mbappé va réellement apporter à Madrid? Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Like et abonne-toi, s'arrête et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.